après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes amis. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Seigneur Jésus, nous nous invitons à te maintenir. Au Dieu, cette interpellation nous concerne également. Amen. Si nous une question, nous demandons si nous t'aimons, Seigneur. Et tu avais posé cette question aussi à Pierre. À toi et puis, nous savons que toi es le chef de la perfection. Oh Seigneur, une fois encore, tu lui avais dit que le diable avait réclamé son âme pour qu'il puisse défaillir. Mais toi, tu as prié pour lui. Amen. Et tu lui avais dit, quand il sera converti, qu'il puisse affermir le frère. Amen, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons que cette commission, ce n'est pas seulement pour ceux qui se tiennent dehors de la chair. C'est pour chacun de nous, Seigneur. Amen. C'est pour chaque famille, oh Dieu. Parce que comme Josué, nous disons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes sur la terre, pour que nous puissions te servir. Parce que tu as fait de chacun de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de chacun de nous des royaumes, des trônes et des sacrificateurs. Alléluia. Regarde ton peuple. Nous sommes venus, Seigneur, avec des besoins. Ô Dieu, ô Père, nous voulons, Seigneur, voir ta présence, Seigneur, ton intervention divine, alléluia, l'interprétation divine de ta parole écrite. Nous voulons te voir, Seigneur, manifester ta présence, guérissons les malades, délivrons les captifs. Nous sommes un peuple nécessité. Nous voulons te voir en action, conjuguant les verbes. Parce que, Seigneur, toi tu es l'auteur du verbe. Et quand il prononce ta parole, alléluia, ta parole s'accomplit. Alléluia. Bénis ton père, bénis l'Église, bénis tous tes enfants. Amen. Nous venons à toi. Oh, merci Jésus. Glorifie-toi. Bénis ceux qui sont autour de vous. Ramène-les, Seigneur. Amen. Et bénis les choses à venir. Alléluia. Nous voulons encore te voir davantage. Amen, Seigneur. Comme le frère Tim l'a chanté, plus de toi, Seigneur. Amen. Comme nous avons chanté nous tous, plus de toi en nous. Et que Seigneur, notre coupe déborde. Amen. Et que nous puissions te servir au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes là pour la communion. Amen. Amen. Je me suis dit que nous allons parler de l'agapé. Vous voyez ici, il est dit que c'était après avoir mangé. Ils ont mangé, après qu'ils eurent mangé, et donc c'était après les repas, parce que les repas, nous réunis autour de la table. Et nous savons aussi que dans ce troisième exode, il n'y a pas que les repas physiques, il y a surtout les repas spirituels. Amen. La manne cachée, le pain de vie. Et nous nous réunissons autour de ces repas. Et alors, nous allons parler d'un sujet, je crois que... avant que Frère Tim n'intervienne dans l'avenir, donc nous allons essayer de parler de l'agapé. J'ai senti dans mon cœur qu'on devait le faire pour que nous puissions être vraiment en bloc. Amen. Amen. Parce que vous savez, le diable ne laissera jamais l'église tranquille. Le frère Branham dit Dieu peut laisser certaines choses arriver. Amen. Et pour tester aussi notre amour. Et voilà, donc et Dieu aussi nous testera constamment. Et comme nous l'avons dit ici, il a testé Pierre. Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu, si tu m'aimes, paie mes brebis. Et alors, voilà, et Frère Branham dit, la Bible le dit aussi, tous ceux qui viennent au Seigneur, ils doivent être testés et éprouvés. Frère Branham dit, par moment, Dieu peut laisser certaines choses vous arriver. Pour tester réellement si vous voulez. Amen.
Donc je fais un petit sujet et on peut le sujet, on peut le développer pendant autant de mois. Et nous parlerons pendant quelques instants parce que le programme c'est que nous puissions parler et que ceux qui ont des questions puissent les poser. C'est-à-dire nous avons dit que nous devons aussi vous laisser vous poser des questions. Si c'est aussi des questions un peu délicates, nous pouvons les écrire. Et puis nous allons voir dans quelle mesure, avec ceux qui travaillent ici, répondre à toutes ces questions. Nous pouvons aussi vous dire, venez, posez-nous cette question à tel endroit. Comme ça, nous allons répondre. Moi aussi, je serai là. Alors, je dis l'agapé et son test. Voyez-vous, l'agapé et son test. L'agapé, comme vous le voyez, c'est un nom grec. L'agapé signifie simplement l'amour divin et inconditionnel. C'est en grec. Et quand nous faisons un peu ce que les hommes des sciences appellent l'étymologie sémantique, c'est-à-dire l'étude des mots, et même Frère Branham le faisait aussi, il faisait de la sémantique étymologique, il essayait de chercher le mot, ce qu'il en est et tout. Et puis nous aussi, nous avons essayé de le faire, toujours dans l'esprit du prophète. Et nous avons compris que l'agapé, c'est un nom. Voyez-vous, donc, dans la nature de mots, l'agapé, c'est un nom. Et ce nom-là signifie amour divin et inconditionnel. Il n'y a pas que l'agapé, il y a aussi le philia. Et le philia, c'est le lien social, c'est l'amour naturel, c'est l'amitié naturelle. Ça, c'est le philia. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éros, ouais. Il y a aussi l'amour physique, il y a le storgé, l'amour familial, ouais, donc il y a plusieurs sortes d'amour. Comme nous allons le voir, Frère Branham décrit, il dit qu'il y a un amour qui est d'en haut, c'est l'amour divin, voyez-vous. Il y a aussi un amour qui est d'en bas, c'est l'amour philéo. Alors, Frère Branham, il prend tous ses amours, les roses, les storgues, il les met dans les philia, l'amour d'en bas, l'amour charnel. Et Frère Branham dira, l'amour philéo, c'est un amour qui questionne, qui raisonne, qui imagine, qui réfléchit. Et il dira que l'amour philia ou l'amour philéo, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans le cœur. Même si les gens te disent que je t'aime dans ton cœur. Non, l'amour philia ou l'amour philéo, ce n'est pas dans le cœur, c'est dans la tête. C'est ainsi qu'on va aimer à cause de ceci, à cause de cela, à cause d'un intérêt. Donc l'amour philia, l'amour philéo, c'est un amour intéressé. C'est un amour conditionnel. Et c'est l'amour d'en bas. C'est l'amour charnel. Alléluia. Mais aussi l'amour d'en haut. Et l'amour d'en haut, c'est l'amour agapao. Amen. C'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour divin. Et ici, quand Jésus dit à Pierre, « Pierre, Pierre, m'aimes-tu ?» Jésus connaissait toutes choses. Il savait que Pierre était encore dans les philéos. Il voulait l'amener à l'agapao. Nous allons lire ici, Frère Branham dit que ne peut avoir l'agapao que celui qui a le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui installe l'agapao dans le cœur. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aimer Dieu. C'est vrai. Frère Branham dira, c'est le Saint-Esprit qui installe l'agapao dans nos cœurs. Alléluia. C'est ce que nous devons naître de nouveau. Et l'agapao, c'est l'amour divin, c'est Dieu lui-même. Nous allons lire ici, Frère Branham, dire que si votre âme est née de nouveau, c'est Dieu. Amen. Mais si ce n'est pas né de nouveau, c'est le monde. C'est ainsi que les gens vont reproduire les amours philéaux, les amitiés charnelles, les éros et tous les restes. Ils vont penser que c'est de l'amour alors que ce n'est pas de l'amour. Frère Branham a dit, l'église est embrouillée, l'église n'avance pas parce que les gens ont confondu les amours. Amen. Amen. Mais Zorobabel est venu pour nous sortir de toutes ces confusions. Alléluia. Afin que nous comprenions ce que c'est que l'amour agapé. Ben, les hommes des sciences ont parlé des roses, des filias, mais Frère Branham lui a donné sa sémantique.
Et nous, en tant que ses enfants, nous nous conformons à cette sémantique. Lui n'a donné que deux catégories, l'amour agapao et l'amour philéo ou le philia. Point. Et il dira que le philia ou le philéo, c'est pour ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu. C'est charnel. C'est la tête. Hein, frère Tim aime sa femme. Et il y a aussi, il a aussi réfléchi dans sa tête. C'est normal. Amen. Donc quand vous voyez une fille, il y a d'abord la tête, mais le cœur doit aussi jouer. Amen. Amen. Donc, il y a aussi l'amour du cœur. Alors, lisons ce que dit le prophète. Donc ici, j'ai mis agapé, amour divin et inconditionnel, philia, amitié, lien social, eros, amour physique, storgé, amour familial, agapé, c'est aussi les repas des premiers chrétiens. Vous voyez ici, les repas unit les gens. Les repas, c'est très important. Aujourd'hui, le diable détruit cela. Maman mange au travail, papa mange au travail, les enfants mangent au restaurant, les écoles, ils viennent à la maison, ils ne savent pas se retrouver autour d'une table. La communion au niveau de la famille est démolie. Amen. C'est ainsi que nous aimons beaucoup nos sœurs africaines. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Hein? Maman Nicole de Tim, maman Becky. Maman, notre sœur Arlette de Mars, et toutes les mamans qui sont ici, mon épouse, maman Angèle, sœur Cindy, sœur, je dois citer tous les noms, sœur Esther, sœur Manola, que Dieu te bénisse, amen, et maman Jeanne, hein, sœur Linda, vous êtes nos mamans, et toutes les mamans qui sont ici, vous devez savoir que les repas unis la famille. Hein, la sœur Neville. Hein, les repas unis. Si vous voulez que votre famille soit soudée, il faut dire, par moi, comme le blanc le dit, à table. Amen. Tout le monde se retrouve autour de la table. On mange, on commune. Amen. Vous voyez ici, les disciples n'avaient pas eu du poisson. Jésus est venu jeter le filet à tel endroit, il y a eu du poisson. Et puis, Jésus les a précédés. Il faisait déjà les poissons autour de la communion. Tout, c'était un agapé. Voyez-vous? Et quand nous sommes ici également, nous sommes autour de Shiloh, Christ, l'onction. Alléluia. Et c'est aussi un agapé. Donc c'est l'amour divin. C'est Dieu qui veut descendre dans nos âmes avec son esprit. Alors, je vais lire ce que le prophète dit. Écoutez, c'est le prophète le dit dans écoutez-le, prêcher le samedi, vous voyez. Donc, ils avaient des cultes le samedi. Donc, nous devons apprendre aussi à beaucoup travailler, par moments, provoquer des réunions spéciales pour que les gens naissent de nouveau, pour que nos enfants reçoivent la repentance et qu'ils se fassent baptiser. Vous, les petits enfants, je dois vous bousculer. Vous devez aller au baptême pour recevoir le Saint-Esprit et l'agapao va descendre dans vos âmes. Le besoin de l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Les gens doivent naître de nouveau du haut de la chair jusqu'au dernier banc. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Et puis j'ai effectué un voyage. J'ai vu l'état de l'église. Nous devons revenir du haut de la chair pour dire aux gens, vous devez naître de nouveau. Vous devez vous repentir. Vous devez vous mettre en ordre. Vous devez vous repentir. L'ordre, la repentance, la conduite, l'ordre et la doctrine vient après. Conduite, ordre et doctrine. Les gens ont inversé. Doctrine, ordre et conduite, c'est le chaos. Amen. Amen. Les gens ont la doctrine. Amen. Mais ils n'ont pas la base de l'évangile. Et j'étais là au Congo, j'ai vu les résultats. Il y a des foyers déchirés. Ils ont oublié le fondement. Et nous avons eu beaucoup d'albatros. Nous voulons des aigles. Parce que la promesse est dit, là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. Amen. Les libés volaient très haut dans les mystères. Il descend, il s'amortit son. Amen. Mais pas l'albatros. Il monte, il descend.
C'est ce qu'il y a des églises qui sont déchirées. Il y a une église en Angola que j'ai beaucoup aimée, j'ai beaucoup appréciée. Mais aujourd'hui, cette église-là s'est disloquée en plusieurs morceaux. Le pasteur, sa femme l'a quitté parce que le pasteur a abusé des femmes. Maintenant, c'est les livrets parcellaires, remettez. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la conduite, quel esprit vous conduit? Amen. Amen. COD. En anglais, COD. Pas doc. Amen. Et la doctrine, c'est la pas. Amen. Non, la doctrine, c'est l'hameçon. Autour de l'hameçon, il doit y avoir la pas. Vous devez savoir comment attirer les gens. Par votre vie, par la sainteté. Alléluia! Quand les gens voient cela, ils arrivent, ils voient la sainteté, ils voient la pureté, ils voient que non, ici, il y a quelque chose, et puis, paf! En ce moment-là, quand vous lui parlez de la doctrine, ils vont accepter. Hier, j'étais chez la famille Kabongo, j'ai quitté à 0h. Ils m'ont ramené jusqu'ici. On a parlé des choses profondes, de l'enlèvement de ceci. Là, c'est bizarre. C'est écrit. J'ai dit Amen. Et j'étais sur le point de pleurer. Ah, c'est écrit. J'ai dit Amen. C'est écrit. Elle dit Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'abord cette conduite-là. Pas la méconduite, pas les désordres. Non. Amen. La conduite. Si vous avez un bon appât, les gens veulent affraigir, c'est un frère calme, c'est un frère pieux, c'est un papa. Et puis tu sauras nous dire que le Saint-Esprit est en train d'enlever l'église maintenant. Tu vas dire, oui, je vois que c'est là. Tu peux nous dire que l'enlèvement, c'est ton âme, ça n'a rien à voir avec ses corps. Ses corps vont pourrir. Alléluia! C'est comme cela que nous pourrons attirer les nouveaux. Amen. C'est comme cela que Frère Hilbert, il y aura plus de transferts internes. Parce que les choses qui nous embrouillent, ce sont les transferts internes, Pasteur Tim. Les gens quittent une église A, ils vont dans l'église B. Quand ils viennent là, ils veulent qu'on fasse les choses comme dans l'église A. Ce n'est pas ça. La conduite, qu'est-ce qui nous conduit? Les gens quittent un certain pays où ils avaient un passé, ils arrivent là, ils ne sont pas conduits. Ils sont conduits de là. Quand ils arrivent là, ils créent des désordres. Mais nous devons prier, amen, pour que l'église tienne bon. Et que chacun soit dans la conduite, dans l'ordre et dans la doctrine. Amen. Bon. Nous allons passer ainsi le vrai temps de communion ce matin au petit déjeuner des prédicateurs. Et la gabé. Et vous, j'ai rencontré beaucoup de vos pasteurs. Ce n'est pas étonnant que vous soyez des gens aimables. Vous avez des membres de pasteurs qui vous enseignent et nous avons passé un bon moment de réjouissance. Amen. Il me semble que je n'arrivais pas à trouver par où m'arrêter tellement c'était un groupe de gens aimables comme hier. J'ai oublié même qu'il était 0h. Vous dormez simplement ici. J'ai dit non, je dois rentrer. Nous sommes restés là jusqu'à 11h-10, je pense, après avoir consacré quelques instants au petit déjeuner. Mais nous avons eu entre nous une agapé, il y a l'accent toboggan, en ancienne mode. Je pense que c'est ce que les frères devraient faire. Amen. 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 Sœur Max, l'agapé. Mon épouse Nicole. Maman Becky, l'agapé, je vous invite. Venez chez moi, Sœur Cindy. Sœur Cindy vous invite. Vous me retrouvez là, autour de la table. C'est des tartes, les repas de neige. Moi, j'ai vécu ça au Congo. Je vous invite. C'est comme ça que Elohim et Abraham ont fait un agapé. Amen. Elohim a pris un mouton. Abraham a pris un agneau. Et puis, il a donné du lait. Et puis, Elohim a mangé. Il était très content. Il a dit, je reviendrai. En cette même date, Sarah aura un enfant. Il y a des bénédictions comme cela. Amen. Recevez les gens, les enfants. Amen. Nous faisons des telles manifestations. Ça va nous venir. Écoutez, c'est le frère Branham.
Mais nous avons eu entre nous une agapée à l'ancienne mode. Je pense que c'est ce que les frères devraient faire. Amen. Je vais attendre vos amen. 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 Je pense que c'est bien. Cela nous moule ensemble comme un bloc. Je vais être un peu tranquille. Je suis un peu. Je pense que c'est bien. Cela nous moule ensemble comme un bloc. Sinon, vous serez dans la dispersion et le diable va se frotter les mains. Cela nous moule comme un bloc, sœur Manuela. Amen. Amen. Tu nous as invités avec frère Tim. Nous avions mangé les ndolé. Les ndolé, c'était un repas camerounais. Et c'était très bon. Amen. Et nous avons prononcé des bénédictions sur toi. Amen. Les portes, comme Dieu dit, hein, il dit à Abraham, comme tu as obéi, tu ne m'as pas refusé cela. Et Dieu a regardé au ciel. Et il a juré sur lui-même. Alléluia. Tu seras béni. Ta postérité possédera les bords de l'ennemi. Ta postérité se multipliera comme les étoiles du ciel, comme les sables au bord de la mer. Rebecca, comme tu as accepté d'aller rejoindre quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un dont on t'a parlé, alors tu seras des milliers de myriades et tu seras béni. Amen. Donc les tests, dont l'agapé est ce test, l'agapé a ses tests, les tests de l'amour. Et pour que l'agapé descende en toi, il faut que Dieu du haut du ciel voie l'obéissance. Amen. Là, il va te donner l'amour d'en haut. Gloire. Donc cela nous moule ensemble comme un bloc. Combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 20. Maintenant, suivez. Croyez-vous que Jésus avait de la compassion? Il était plein d'amour, mais parfois c'est simplement comme les gens qui s'aiment. Ils oublient de quel genre d'amour ils parlent. L'amour philéo et l'amour agapo. Un, les deux sont l'amour, mais l'un c'est l'amour d'en haut. Amen. Amen. L'un c'est l'amour d'en haut. Ah, que Dieu bénisse la famille de Frère Cameroun. Nous sommes dans la joie. Les deux sont l'amour, mais l'un c'est l'amour d'en haut, dont l'agapao, c'est l'amour d'en haut. Amen. Amen. C'est l'amour qui vient d'en haut, et l'amour qui vient d'en haut, c'est la nuée blanche. Amen. Parce que quand l'homme a été créé, il a été la nuée blanche. Il a été agapao. Il a été l'amour divin. Mais quand il a péché, cette nuée blanche est devenue un nuage noir. Il est descendu de la nuée blanche au philéo. C'est-à-dire qu'il a rétrogradé de l'amour agapao ou de l'agapé à l'amour charnel. Il est encore descendu plus bas. Il est descendu dans les convoitises. Les convoitises des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Alors Jésus maintenant, il est parti de l'amour agapao, il est descendu plus bas pour nous prendre et nous élever encore de l'amour agapao. Amen. Je peux dire que c'est comme un enfant qui fait caca, une bonne maman, elle n'aura pas peur de ses cacas. Elle ne va pas rejeter l'enfant. Elle descendra chez l'enfant, fait l'affaire, elle va même toucher ses cacas. Elle va enlever ça. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est descendu de l'amour agapao au philéo jusqu'à nos convoitises, à nos péchés. Il nous a pris. Il veut maintenant nous élever du philéo à l'agapao. Alléluia. Et quand il vous prend des convoitises, du philéo, il vous élève dans l'agapao. C'est ça l'enlèvement. Amen. Amen. C'est ça l'enlèvement. Vous ne vivez plus dans le charnel, ni dans les convoitises, vous êtes enlevés. C'est ce que Frère Barabbas dira, si le Saint-Esprit atteint votre âme, vous êtes enlevés. Ce n'est pas que vous le serez, mais vous l'êtes. Amen.
Frère Branham dit, je vais lire ça. Si votre âme est née de nouveau, vous êtes Dieu. Amen. Ma sœur, vous devenez Dieu. Sœur Marx, vous devenez Dieu. Dieu, c'est la fille de Dieu. C'est le fils de Dieu. Devant un juif, si vous dites que vous êtes un fils de Dieu, il va vous lapider parce qu'ils savent que le fils de Dieu est unique. Amen. Et le fils de Dieu, c'est le Christ, c'est le Messie. Alléluia. Le Dieu. Les juifs ont oublié que nous sommes dans le plan des grains. Le grain doit tomber en terre et se multiplier en plusieurs pour qu'il y ait beaucoup de Jésus. Alléluia. On voit maman manger, oh c'est Jésus, mais Jésus n'est pas noir. Alléluia. Vous devenez la fille de Dieu, le fils de Dieu, vous prononcez la parole et la parole s'accomplit. Quand vous êtes le fils ou la fille de Dieu, amen, vous êtes comme le premier fils devant la porte. Il prononce la parole qui est la lumière, qui est la lumière, et il attend des millions d'années, le soleil apparaît. Alléluia. Et puis il attend des millions d'années, il dit qu'il y a la terre, il veut voir la terre, il prend la terre qui était dans les eaux, il était entré comme des jouets. Il prend la terre qui était engluée dans les eaux, il la rapproche du soleil, il la rapproche, et puis les eaux se dessèchent et la terre apparaît. Amen. Il fait la même chose aujourd'hui. Les eaux, ce sont le peuple, le péché. Lui, il est le soleil. Le fils vous rapproche du soleil pour que les eaux, le péché, soient séchées et que la terre devienne la terre épouse, Sion. Amen. Amen. Et si nous partons de là, frère, nous serons infaillibles. Nous ne tomberons point parce que l'heure du temps de la fin ne tombera pas. Amen. Alléluia. Si vous tombez, vous devez revenir à vous-même. Vous êtes fils et filles de Dieu, nous n'en disconvenons pas. Mais revenez à vous-même, même si vous êtes prédicateur. Nicodème était prédicateur en Éphésiens 4. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Et nous aussi, qui sommes derrière la chair, nous ne devons pas être des Judas modernes, qui ont juste l'esprit de Dieu, mais qui ne regardent pas leur propre vie. Frère Branham dit, Judas, nous le répétons toujours, en fait, j'ai trouvé la situation, je vais te montrer. Judas, il avait l'esprit de Dieu qui accompagnait le ministère, mais il n'avait pas l'esprit de Dieu pour sa propre vie. S'il en est ainsi des prédicateurs, qu'en est-il de chacun de vous? Amen. Donc, les deux sont l'amour, mais l'un c'est l'amour d'en haut, et l'autre c'est l'amour d'ici sur la terre. Et l'amour d'en haut, il faut un test. Agapé est le test de l'amitié. Dieu va vous tester. Amen. Il va voir si vous êtes digne de son amour inconditionnel. Abraham, il a une partie de Dieu, d'Elohim, il est devenu Ibrahim parce qu'il était fidèle. Au test, il voulait tuer son fils unique. Dieu lui a dit, comme tu ne m'as pas refusé, tu deviens mon ami. Amen. C'est qu'il faut résister au test. Amen. Comme Joseph, il a résisté au test. Et Dieu l'a aimé. Il n'y a rien sans test. Dieu n'est pas un grand-père. Il nous teste. Il va voir si tu es fidèle à lui. Tu viens là où la parole est prêchée. Il va te tester, te tester, te tester, te tester. Amen. Et puis, alléluia! Soyez fidèles, attendez. Et puis il va prononcer. Dans le premier chapitre, il va descendre, il va gérer sur lui-même. Qu'est-ce je te bénirai. Frère de vie, je te bénirai. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Alléluia. Sois d'abord fidèle, malgré la souffrance, malgré certaines difficultés. Je vais lire ici dans un bonjour, frère Madame dit, il peut laisser certaines difficultés vous arriver pour vous tester. Amen. Il peut vous plonger. Amen, sergent. Il peut te plonger sur un lit de difficultés pour voir si tu crois. Amen. Si tu peux dire que Seigneur, tu m'as guéri à la croix, tu dors sur ça. Et quand tu dors sur ça, il n'y a plus de doute, tu es tranquille. Amen. Tu répètes juste ça, tu m'as guéri à la croix. Amen. J'ai été guéri il y a 2000 ans. Amen. Tu lui répètes ça, tu lui répètes ça. Et tu restes fidèle, Dieu intervient. Comme cet aveugle-là, édition spéciale, Dieu m'a guéri. Édition spéciale, Dieu m'a ouvert. Édition spéciale.
mais tu es encore aveugle. Édition spéciale, je suis marié, j'ai des enfants. Édition spéciale, j'ai un travail, on ne voit rien du tout. Tu as babouche, tu es même sans domicile fixe. Édition spéciale, chercher une villa. Dans les filons, les gens aiment ça. Amen. L'édition spéciale, j'ai le Saint-Esprit. Cherchez d'abord le royaume. Le reste vous sera donné de ses corps. C'est ça le besoin de l'église. Le besoin de l'église, ce n'est pas le papier. Ce n'est pas. Le besoin de l'église, c'est le Saint-Esprit. La nouvelle naissance. Alléluia. Les enfants, la nouvelle naissance. Vous les enfants, je vous vois grandir. Dieu me dit de vous parler. La nouvelle naissance, ne tardez pas cela. Ce que vous devez faire, vous faites-le, ne réfléchissez pas. Amen. Le Bois dit, vous devez le pousser. J'ai vu mes enfants, excusez-moi de faire ce petit déroulé. Je les ai vus maintenant. Ils suivent aussi. Par vrai, je le dis. Aujourd'hui, pas de vidéo. Pas de télévision. Pas de ceci. Je faisais ça souvent. Et après, j'ai remarqué qu'ils commencent à aimer ça. Et à un moment donné, nous devons. Et maintenant, quand ils sont là, je vois qu'ils suivent l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Ils suivent l'histoire de Jacob. Ils suivent l'histoire de Jésus. Alléluia. Amen. Faites cela. Si vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, repentez-vous. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ou depuis que vous avez cru? Vous avez cru 20 ans, 15 ans, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est ça notre tâche à nous, prédicateurs. La conduite, l'ordre et la doctrine. Code. N'inversons pas. Ça ne fera pas du bien à l'Église. Je l'ai dit. Il y a de cela 30 ans, nous avons vu. Et ça n'a pas aidé. Amen. Donc il y a un amour d'en haut, un amour d'en bas. Le filéo, c'est l'amour d'en bas. Ça peut commencer comme cela. Ah, papa, maman, c'est un garçon gentil. Ah, papa, maman. Et après, maintenant, il faut que ça devienne aussi la d'en bas. Amen. Amen. Ah, j'apprécie beaucoup frère Samuel. Ça peut être dans le filéo. Hein? Et j'apprécie beaucoup telle sœur. Ça peut être dans le filéo. Mais il faut, nous devons maintenant monter dans la gamba. Alléluia. Peut-être que tu as apprécié parce que c'est les calcoutes que tu as mangé. Hein, dans le filéo. Là, c'est le filéo. Amen. Maintenant, c'est la parole. Amen. Et frère Branham dit, les églises sont tombées à cause de ça. Bon, je veux maintenant lire. Donc il y a un amour d'en haut, un amour d'en bas. C'est comme je parlais à un reporter aujourd'hui, j'ai dit, l'amour d'ici va, l'amour humain vous amènera à tirer sur un homme à cause de votre femme. Mais l'amour qui vient d'en haut vous amènera à prier pour son âme perdue. C'est bien différent, voyez-vous. L'un c'est un amour ici en bas à ce niveau, l'amour humain, et l'autre c'est l'amour qui vient d'en haut. Et quand on regarde la foule avec compassion, on dit, oh, ne veux-tu pas guérir cette personne, il est malade, il est grandement dans le besoin. C'est un homme de bien, on les connaît, guérit son petit bébé, regarde. Ça c'est la compassion humaine. Mais la vraie compassion divine, c'est faire la volonté de celui qui vous a envoyé faire cela. Amen, c'est Emmanuel. Combattre pour la foi. Remarquez alors, ces gens passés là comme on les fait aujourd'hui avec amour, ils parlent de l'amour. Il y a deux sortes d'amour. L'amour agapo et l'amour philo. L'amour agapo et l'amour philo. L'un est divin, l'autre est terrestre. L'amour divin, il pourrait faire. Si vous voyez un homme faire passer ses bras, en effet, c'est l'amour humain que vous avez pour votre femme. Mais l'amour philo, l'amour de Dieu, vous ferez passer vos bras autour. Eh bien, il y a deux différentes sortes d'amour. Il y a l'amour humain qui en grec est exprimé par le mot l'amour philo. Et puis, il y a l'amour agapao, c'est l'amour élevé ou l'amour divin. Mais mes amis, un peu plus tard, quand nous serons un peu familiers,
Vous ne savez pas ce que c'est que la compassion. La compassion d'après les hommes est une chose. La compassion d'après Dieu en est une autre. Amen. Votre compassion n'est pas la compassion de Dieu. C'est vrai. Voyez-vous, Jésus a pris une chicotte. Il y avait du désordre dans l'église. Il a commencé à fouetter les gens. Moi, j'étais un peu scandalisé. Il y a un grand pasteur au Congo. Après, j'ai compris cela. Il y a un grand pasteur au Congo. À un moment donné, il y avait tellement de désordre à l'église. C'est une grande église. Il y avait tellement de désordre. Tellement de désordre. Alors, il a agi comme en droit constitutionnel. Il a décrété l'état d'urgence. Parce que le pasteur, en tant qu'ange, il peut arrêter la marche. Il a arrêté la marche. Il a même fermé l'église. Il a dit, rentrez chez vous. Allez mettre vos vies en ordre. Et puis revenez après un temps précis. C'est ça l'état d'urgence. Notre, je suis notre supérieur, c'est des pharisiens. Et puis quand ils sont revenus, il a pris un mouton. Ils ont mangé ensemble. Bon, Dieu m'a interprété. À un moment, par raisonnement, j'ai dit, oh, ça devient des coutumes juives. Mais après, Dieu m'a parlé par la capée. Il m'a dit, mais vous pouvez aussi le faire. Confrère Bana, on a dit, faites-le souvent. Amen. Hein, madame, appelez votre mari. Chérie, j'ai préparé un bon repas aujourd'hui. Viens. Les enfants, venez. Aujourd'hui, on va manger ceci autour d'une table. Ça va vous aider. Et puis, vous parlez aussi de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez, messieurs, nous voulons voir Jésus. Regardez quelle masse de gens c'était bien. Suivez attentivement maintenant. Croyez-vous qu'il était plein de compassion? C'est ça que dit la Bible. Mais cette compassion est un genre de compassion différent de ce que nous appelons compassion. Il existe deux différentes sortes de compassion. L'une, c'est la sympathie humaine. L'une, c'est la sympathie humaine. L'autre, c'est la compassion divine. Écoutez maintenant. Suivez très bien. La compassion divine consiste à faire la volonté de Dieu. Amen. 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 La compassion divine consiste à faire la volonté de Dieu. La sympathie humaine jette le tout dans un sac. Amen. La sympathie mélange. Et c'est notre frère. Et c'est ceci. Et non, l'amour est correctif. Amen. L'amour agapao est correctif. Amen. Dieu peut vous parler. Comme vous avez fait ça, comme il avait parlé à Saoul, c'était un enfant de Dieu. Il dit, comme tu as fait ça, ton rêve sera divisé. Ton trône, je le céderai à un autre. Voyez-vous? Et peut-être le Saoul voulait encore supplier. Et puis, il a, en s'appuyant sur le prophète Samuel, il a fait déchirer la robe du prophète. Ah, tu as encore déchiré ma robe. Alors ton royaume sera aussi déchiré. Amen. Craignons Dieu. Amen. Et on a crainte de Dieu. Amen. Dieu, ce n'est pas un grand-père. Amen. Dieu est châtie. Je sais de quoi je parle. Frère Branham, il sait. Il recevait des châtiments. Mais si tu es fidèle, Dieu te donnera. Mais tu resteras toujours enfant de Dieu. Ah, mes enfants, je peux tirer les oreilles, je peux gronder, mais ce sont toujours mes enfants. C'est mon sang. Vous ne serez jamais perdu. Mais ce dont nous parlons ici, c'est de l'adoption. Que Dieu te dise, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Amen. Écoutez-le. Celle-ci est ma fille bien-aimée en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-la. Amen. 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 La sympathie humaine jette tout dans le sac. Avec ce genre d'amour, un amour filéo. Mais avec l'amour agapao, vous prierez. C'est ça la différence. Il existe deux différents types d'amour. Je suis presque sûr que beaucoup d'entre nous se sont trompés pensant avoir l'amour agapao alors qu'ils ont l'amour philéo. Beaucoup se sont trompés pensant avoir l'amour agapao alors que c'est l'amour philéo. L'amour philéo est intellectuel. Amen. L'amour philéo est intellectuel. Questionner, raisonner, imaginer. Mais l'amour agapao vient du cœur. Amen. L'un, c'est l'amour humain, l'amour affectif, et l'autre, l'amour divin. L'amour divin ne pose pas de questions.
L'amour divin ne pose pas des questions. Mais l'amour filéo va poser des questions. Il est comme ceci, il est comme cela. Il est... Ça, c'est le filéo. Mais dans l'agapa, oh, pas de questions. Parce que c'est d'en haut. C'est inconditionnel. Et c'est le Saint-Esprit dans l'homme. L'amour agapao vient du cœur. L'un c'est l'amour humain, l'amour affectif, et l'autre c'est l'amour divin. L'amour divin ne pose pas de questions. L'amour humain résonne, mais l'amour de Dieu ne résonne pas. Il a une parfaite assurance. Il a une parfaite... Quand vous aimez réellement, cela produit la foi. Donc même la foi dont nous parlons, ça provient de l'agapao, du Saint-Esprit. Écoutez maintenant ici. Bien, l'âme de l'homme n'est pas son corps. C'est l'âme, vous voyez. Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Quand il dit nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ, scellées par le Saint-Esprit. Bien, ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. De la nature, c'est votre nom. Le nom, la nature de vos ancêtres, le sang. Alors maintenant, Dieu doit effacer cette nature. C'est les livres dont les noms seront effacés. C'est votre vie charnelle. Nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. C'est là par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est mort. Voyez-vous? Écoutez maintenant, s'il vous plaît, regardez-moi ici. Regardez. Suivez ça très, très, très bien. Écoutez, la nature, secouez-vous, ne ratez pas ceci. La nature, c'est ce qui est là. La nature de votre âme, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Amen. Frère Max, c'est Dieu, votre âme. Alléluia! Frère Max, quand votre âme est née de nouveau, c'est Dieu. Un céleste, c'est Dieu. Amen. C'est moi qui l'ai dit. Non, les prophètes disent amen. Amen. C'est Dieu. C'est ainsi que Dieu ne traite qu'avec Dieu. Mm. Oh Dieu, ton Dieu t'a moins dit nous de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. C'est cela l'onction du millénium, les repos. Mm-hmm. Pas les repos de la chair, les repos de ton âme. C'est ça le vrai repos, le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et il est le maître de ces repos du sabbat. Et maintenant, gloire à Dieu. Merci Jésus. La nature de votre âme, c'est Dieu si vous êtes né de nouveau. Amen. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Hein? Donc si votre âme n'est pas née de nouveau, l'âme là est du monde. Et le monde, c'est le diable, c'est l'antichrist. Donc si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est Jésus a dit, les enfants, vous me suivez. Vous devez naître de nouveau. Parce que si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous êtes l'adversaire. Vous êtes Satan. Vous êtes Satan. Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Mais quand vous recevez les pensées de Dieu, la révélation, la foi. Hein, frère Kabongo, c'est ce qu'on a vu hier. La foi égale révélation. La révélation égale pensée de Dieu. Vous l'avez tout saisi? Avoir les pensées de Dieu, quand vous avez les pensées de Dieu en vous, c'est ça la révélation. Amen. Et cette révélation vient du prophète. Alléluia! Parce que Dieu a mis ses pensées dans le prophète, et quand le prophète parle, c'est le verbe. Et le verbe, c'est agapao. Agapé, c'est le nom. Agapao, c'est le verbe. Donc, on pouvait dire, vous agapao, l'église. Vous agapao. Donc, on peut aussi traduire comme cela. Quand on dit agapao, c'est l'agapé conjugué en grec. Donc, agapao, philéo, ce sont des verbes. Mais le nom, c'est agapé, philia. Et qui conjugue cela? C'est-à-dire qui pose l'acte. Parce que quand on est dans l'agapao, alléluia, quand on est dans le filéo,
On n'est pas passif, on est dans l'activité permanente. Amen. On n'est pas endormi, on est éveillé, c'est ça les réveils. Les réveils de la Gapao. Alléluia. C'est Dieu marchant. Dans ce troisième exode, c'est Dieu. Quand je dis Dieu, regardez vous-même. Alléluia. Je parle au nez de nouveau. Alléluia. À ceux qui sont nés d'en haut. Parce que l'Éternel, il réunit ses enfants des quatre coins des cieux. Alléluia. Pour la dernière grande bataille. Et la dernière grande bataille, c'est mettre un terme au filéo. C'est ce que les gens nous ont prêché, des enlèvements filéo, des millénaires filéo, des éternités filéo. Ça n'existe pas. Ce sont des fausses prophéties. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Nous sommes d'en haut, dans la cabane. Nous ne sommes pas dans les filières. Nous ne disons pas faire table rase des filières. Nous aurons nos enfants, vous aurez votre femme et tout et tout. Mais c'est lui qui est d'en haut. Frère Branham était d'en haut, comme je l'ai dit souvent. Il pouvait dire, je suis poussé à bout, je vais prier. Il dit à son épouse, si je ne reviens pas, un bout à Mars, dis au patron là-bas qu'il cherche quelqu'un d'autre pour me remplacer. Là, ce n'est plus l'amour de l'argent, ce n'est plus l'amour filial. Il dit à son épouse, Meda, si je ne reviens pas, tu veux te remarier. J'y vais pour mourir. À moi que j'ai la réponse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que là, il n'est plus dans les convoitises, il n'est plus dans les filets, il est né d'en haut. Amen. Une sœur qui me disait, oh frère, tu vois, ce sont des faux enseignements. Amen. Des faux enseignements que les gens reçoivent par-ci, par-là. Nous détruisons cela. Ce sont des enseignements de Balaam. Amen. Voyez-vous, ils nous disent non, vous savez, la fin du sexe, ça existe. Voyez-vous, même un moins. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est Jésus qui a dit ça aux disciples. Moi, je le dis, Jésus a dit ça aux disciples avant la Pentecôte. Mais quand ils ont reçu la Pentecôte, la chair était soumise. Amen. Pour quelqu'un qui est passé dans les sables sacrés du désert. Qui a rencontré la colonne de feu. Amen. Il n'y a pas de fin du sexe. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Mais c'est cela. C'est ce que nous devons enseigner. C'est ça l'enseignement de William Alain Branham. Avec la colonne de feu. Gloire à Dieu. L'amour prêché. Le 13 mars 58, c'est le grand besoin à cause duquel le monde est en train de mourir. Et Dieu est d'amour. C'est-à-dire que quand votre âme est née de nouveau, vous devenez Dieu, vous devenez l'amour. Amen. Amen. C'est ce que Dieu se plaindra. Et Dieu se plaindra à venir habiter en vous. Parce que vous êtes son épouse. Et l'épouse, c'est l'obéissance. Or, on trouve dans l'Église que ce qui a fait obstacle à l'Église, c'est la fausse conception de l'amour. La fausse conception de l'amour a bloqué l'Église. Oh, merci Seigneur. Eh bien, bien des fois, les Églises sont tellement embrouillées. Avoir soif de la vie, prêché le 11 juin 58. Eh bien, bien des fois, les églises sont tellement embrouillées qu'elles essaient de prendre l'amour philéo, qui signifie l'amitié, pour l'amour agapao. Je vais attendre les amens. Amen. Là, je n'attends pas les amens. Amen. Je vais attendre les amens. Amen. On confond les amitiés. Surtout pour nous prédicateurs, vous êtes dans des amitiés, dans des amitiés. C'est très dangereux. Et c'est par là qu'il y a des compromis et tout. C'est-à-dire, moi j'ai compris que je suis ici, je prêche. Mon premier ami c'est Dieu. C'est l'ami fidèle. Amen. 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 Ne fondez pas votre vie sur les amitiés. Les amitiés décevront.
Puisse Dieu être notre seul ami. Amen. Alléluia. Cela n'exclut pas qu'on ait des amis. Il peut y avoir des déceptions. Je suis un pasteur, je sais de quoi je parle. Je viens du Congo. J'ai des dossiers ici. On m'a confié des dossiers. Pour quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais que Dieu l'aide. Je dois aller le voir, j'allais même parler à Frère-Til. On a donné un temps. Nous avons notre frère pasteur Howard. Donc ce pasteur-là, il est allé là-bas. Il a escroqué 100 000 dollars. C'est là pour rien. Pendant tant d'années, il ne veut pas donner. Et il y a encore beaucoup d'autres dossiers. Il a dit, sa place n'est pas derrière la chaîne. Amen. Amen. Il y a des amitiés qui chercheront à les protéger. Amen. Quand votre ami est dans l'erreur, corrigez-le avec amour. Ne protégez pas l'erreur. Ne faites pas comme Ouza. Vous voyez vraiment votre... Alléluia! Ah, je reviens encore frère Isaac, mon ami Isaac. Isaac, il est ami à William. Hein? Si toi tu vois William en erreur, viens avec la parole. William, ça ce n'est pas ce que dit le prophète. Que dit le prophète? Amen. William, si tu vois mon ami Isaac en erreur, tu dis, Isaac, est-ce que ça c'est ce que dit le prophète? Mon frère, ma soeur, si nous nous comportons comme cela, amener un malade ici, il va se réveiller. Amen. 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 Priez, Dieu va vous exaucer. Je sais de quoi je parle. Mon épouse, elle est là. À un moment donné, excusez-moi de faire, je remercie le Seigneur pour cela. À un moment donné, elle commence à dire le Dieu d'Armand. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Si vous êtes accroché à Dieu, Dieu se révélera. Et votre famille croira en vous. Votre fils dit, hey, quand papa dit quelque chose, attention. Amen. Parce que nous sommes d'abord des pasteurs dans nos maisons. Et c'est comme cela que la crainte va s'installer. Amen. Hein, les enfants, le Dieu des parents deviendront le Dieu des enfants. Amen. Et quand frère Tim sera fatigué, ici, hein, frère Tim, quand il sera fatigué, les autres enfants passeront là-bas. Parce que nous ne sommes pas dans la chair éternelle. Nous sommes limités. Bon, je tends vers la fin. Hein? Je tends vers la fin. Eh bien, des fois, les églises sont tellement... Vous êtes avec moi? Amen. Eh bien, des fois, les églises sont tellement embrouillées qu'elles essaient de prendre l'amour filéo qui signifie l'amitié pour l'amour agapao. Oui, Dieu a tout dit. L'amour agapao est différent de l'amour filéo. Nous nous rassemblons et nous discutons et nous disons. Oui, nous sommes des frères. C'est bien. Nous nous serrons la main. Certainement, et bien, je suis interdénominationnel. Certainement, ce qui se ressemble, s'assemble. C'est ce que nous devons faire. J'aime ça. C'est bien. Vous avez un bon argument là. Mais ce n'est pas tout, frère. Amen, c'est Manuel. Il nous faut avoir autre chose qui nous fait sortir de tout ce qui est du monde pour nous amener vers ce créateur-là, vers celui qui nous donne la vie éternelle, qui place dans ceci les calcium et la potasse, peu importe combien cela vieillit, peu importe combien cela est couvert de rides, combien cela dépérit ou combien cela tombe malade, Dieu en connaît chaque particule, il a pesé cela de sa balance avant la fondation du monde. Et j'ai été mis ici dedans uniquement pour prendre une décision. Et j'ai pris ma décision pour Christ. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tel abandonne, nous servirons l'Éternel. Non, mon frère, tu es sur la fausse route. Ne fais pas ça. Tu dis la vérité aujourd'hui. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas m'empêcher de ressusciter au dernier jour et d'être à son image. Si tu es l'ami de Dieu. Et quand il place cet esprit en nous dans cette chair qu'il a tirée de la terre, à force de prouver que notre amour filéo aura atteint. Suivez très bien. Vous me suivez? Amen. Je vais attendre les amens. Amen. Et que notre amour filéo aura atteint un point tel qu'il sera absorbé
par l'amour agapao, alors nous avons la vie éternelle dans ces cassions et cette potage qui ont été nourris de la terre et couverts dans la terre. À combien plus forte raison le Dieu qui a créé cela peut les ressusciter. Par conséquent, vous devez naître de nouveau. Amen. Voyez, le prophète revient toujours là-dessus. C'est un mystère. La sainteté que produit le Saint-Esprit, c'est un mystère. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, vers paragraphe 184, frère Branham dit, le Saint-Esprit a été donné pour la puissance dans la prière. Amen. Vous allez prier, la sueur va se transformer en brumeur de sang. Vous allez dire, je m'en vais. Si Dieu ne me donne pas, je ne retournerai pas. Fais en sorte simplement que les enfants terminent leurs études. Le Saint-Esprit a été donné pour la puissance dans la parole. Amen. Vous allez prononcer la parole. Vous allez attendre. C'est comme quand j'ai prêché chez le pasteur Gabé. C'était une grande bénédiction. On a mis cela dans le film. Que Dieu bénisse le frère Tim. Il a mis cela. Les gens ont dit, hein, comme j'ai eu à le dire, tu viens de la Belgique, toi. Comment tu prêches comme ça? Nous, on pensait que ce serait l'hibernation. Moi, je leur ai dit, en Belgique, il fait tellement froid. Il y a le péché qu'il faut multiplier le feu. J'ai compris l'importance de nos prières. Les gens étaient étonnés. J'ai demandé à ma papa, mais c'est normal, non? Pourquoi les gens disent, non, ils ne sont pas vraiment habitués à ça. Ils ne s'attendaient pas à cela. C'est-à-dire que nous devons mélanger. Prêcher la repentance jusqu'au millénium. Quand nous prêchons que le millénium, hein, nous formons des albatros. Je suis dans les royaumes il y a 30 ans. Je sais de quoi je parle. J'ai répondu à un jeune frère, n'enlevons rien. Question réponse numéro 2, 5 et 4, n'enlevons rien. Si ce n'est d'échanger notre vie de péché à la vie de sainteté. Et frère Branham dit, faites-le maintenant. Amen. Amen. Et nous allons attirer les autres. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes un élément de temps. Hein, Saint Francis. L'élément de temps, c'est la chair. Et la seule chose qui est éternelle, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. C'est Dieu. Tout ce qui est éternel n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin. Voyez-vous ainsi, si vous êtes une partie de Dieu, l'esprit qui est en vous n'a jamais eu de commencement ni n'aura jamais de fin. Vous êtes éternel de par l'esprit qui est en vous. C'est semblable à l'amour agapao, puis on descend à l'amour philéo, puis on descend à l'amour de convoitise. Ça c'est ce que la déchéance de l'homme, de l'amour agapao, au filéo et au convoitise. Et ça démolit les gens. Et notre travail, le travail des rédempteurs, c'est de prendre les gens de convoitise. Hein, les enfants, vous arrêtez de convoiter Lukaku, Ronaldo, qui lui vous convoite. Amen. 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 Arrêtez cela. Et nous devons vous le dire. Ils ne sont rien devant vous. Ce sont des jeunes riches. Vous demeurez même Lazare. Et quand vous partez, celui qui est né de nouveau, il devient être doux. L'un de la terre pour mourir. Quand vous partez, les anges viendront vous prendre. Mais eux, ce sont des démons. Dites-les, répentez-vous. Beaucoup sont dans la rue, grosse croix, femme en sort et tout le reste. Ne les enviez pas. Même vos vidéos que vous suivez là, ce sont des païens. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et acceptez les baptêmes au nom de Jésus. Dieu vous donnera la puissance dans la prière. Amen. La puissance dans la parole. Amen. Vous allez prononcer la parole. J'ai prononcé la parole il y a un frère, 2007. On a prononcé. Je suis arrivé là-bas en 2018. Je l'ai vu là où je voulais le voir. Amen. Et directement, j'ai dit, le frère Jean-Marc, ah voilà. On en avait parlé, c'était ça date de 2017. Mais il y a de cela 11 ans que je te vois là. Je me suis renseigné, non, il est là il y a 2 ans.
Amen. Amen. Nous ne sommes pas. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, quand il entre en vous, il vous donne l'interprétation divine de la parole écrite. Amen. Donc vous devenez une parole vivante. Amen. Le Saint-Esprit a été donné pour la puissance dans la vie sanctifiée. Vous direz, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en vous. Amen. Et Christ ne fume pas. Christ ne voit pas. Christ n'est pas un poulet de gibon. Amen. Amen. Christ n'est pas un dragueur. Alléluia. Christ, il est Dieu. Il est le Messie loin. Et Christ, ce n'est pas simplement l'homme de Galilée. Ce n'est pas seulement l'homme de Kentucky. C'est aussi vous. Amen. Je vais attendre les amens. Vous êtes Christ quand vous recevez l'onction du Saint-Esprit. Vous devenez Christ. Comme frère Jérémie était le Dieu vivant. Amen. Amen. Vous devenez un Dieu vivant. Et dans la famille, on sait que le dimanche, on n'osait même pas l'inviter. On calcule, on dit que non. Ils terminent leur culte à telle heure. Et même, ils font un programme pour vous. Non, vous viendrez, je sais que est-ce que vous pouvez, après vos cultes là, vous allez venir quand même. Hein? Quand ils font les retraités, ils savent que vous n'adorez pas les morts. Ils savent. Amen. Donc, ils vous respectent. Amen. Quand ils sont devant vous, ils sont sur leur garde. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a le pays qui sort de votre bouche. Mm. Amen. 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 Voyez, c'est semblable à l'amour agapao. Cela descend, en se permettant pour devenir finalement un tas de gâchis. Eh bien, le seul moyen, Jésus est descendu cette même échelle ici-bas pour rélever ce qui était au plus bas point et les ramener au plus haut point. De la mort à la vie, de la maladie à la bonne santé, de l'iniquité à la justice, voyez-vous, il est passé du plus élevé au plus bas, afin de pouvoir amener le plus bas au plus haut point. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamation pour vous. Voilà, l'état des lieux. Nous allons, comme je l'ai dit, je ne sais pas, il est quelle heure? 13h20. Hein? Donc voilà, je me suis dit qu'on puisse nous réunir, nous parlons souvent. Nous aimerions aussi que vous puissiez poser des questions.